Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour faire un folio. Oui, c'est le tour du folio. Du coup, on va utiliser cette bloc qui vient de chez Action, comme d'habitude. Floral Dreams, il s'appelle. C'est une ancienne collection, celui-là. Le bloc, je crois que ça fait presque un an, donc on y l'a sorti, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, il est vraiment ancien, mais j'avais envie d'utiliser celui-là. Et on va faire un folio pour un mariage, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour un mariage. Et je me suis dit, pourquoi pas changer un peu les choses, parce que d'habitude, tout le monde, quand il fait un album de mariage, il fait plutôt sur des couleurs blanc, crème, ivoire, des choses comme ça, pas trop foncées. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire avec cette bloc. Maintenant, on va faire que la structure aujourd'hui. Du coup, ça va être un vidéo vite fait. Et après, on va faire tous les côtés de cette folio. J'ai préparé, comme d'habitude, tous les papiers. Juste, j'ai oublié de noter ici les mesures. Voilà, du coup, on a besoin d'une base qui fait 21 sur 21. Après, on a besoin d'un morceau de carton qui mesure, de carton, c'est des papiers Clairefontaine de 210 grammes, qui mesure 24,2 sur 21. Et ici, on a un pli de 0,3 et ici, on a un pli de 1. Et après, on a un papier qui mesure 20. Il fait le focus 20,7 sur 24 avec un pli de 2 ici et un pli de 1 ici sur cette côté. Et là, on a un papier qui il mesure 21. On a ici 12. Après, on a un pli de 2,4 et un pli de 1. Et on va commencer à assembler tout ça. On va prendre d'abord le papier qui, comme ça il fait 21 et comme ça il fait 24,2. Et on va coller ici sur cette côté. Ici. On va mettre la colle. Voilà. Maintenant, on va prendre le papier qu'il mesure ici 12 avec le pli de 2 et le pli de le 2,4 et le pli de 1. Et celui-là, on va mettre sur cette côté. Voilà, et il vient comme ça. Maintenant, on va prendre le papier qui fait 20,7. Comme ça, sur 24, comme ça, parce qu'on a les plis ici. Et celui-là, on va le coller ici. Et voilà. Notre folio, il va fermer comme ça. Et maintenant, moi, ici, je veux mettre une découpe. J'ai cette découpe mariage et je veux mettre ici, vous les trouvez sur la boutique aussi, et je veux mettre cette découpe ici au milieu. Voilà. Et il va fermer comme ça notre album. Maintenant, on va mettre des aimants. Et on va mettre deux aimants ici. Moi, je veux mettre des grands. Et deux sur l'autre côté. Hop, si j'arrive à les prendre. Hop. Je vais mettre un ici et un ici. Je vais prendre la double face.
Voilà, et on va mettre ici, sur cette côté, les aimants. On va prendre le papier dans les mains pour être sûr qu'il est droit sur tous les deux côtés, en haut et en bas. Et quand on est sûr, on va coller les aimants. Ici, c'est fait. Il manque que ici. On va regarder. Il est bien fermé. Si c'est pas collé droit, on va refaire. On va les faire. On va prendre notre papier et on va le mettre ici au coin. Et quand je vois qu'il est droit, je le prends avec une pince. Je vais prendre les petites pinces et je mets hop, un ici. Ici pareil, parce que des fois il n'est pas exactement droit. Et je mets une pince aussi. Voilà. Et après, je colle mes aimants. Voilà. Comme ça, on est sûr que cette fois, c'est droit. Maintenant, on va mettre le papier déco. Je veux tourner comme ça. Et je veux mettre cette papier déco ici. Moi, j'ai choisi celui-là pour mettre ici. Ici, sur les petites, on va mettre deux languettes comme ça. Un ici et un à côté. Et jusqu'à ici, c'est fait. Hop. Le dos, il est comme ça. Et sur les côtés, il est comme ça. Maintenant, on va faire ici et ici. Ici, sur cette côté, on va mettre celui-là. En fait, c'est le même papier comme ici. On va le mettre comme ça. Je ouvre ici pour pas casser, pour pas abîmer. Et on va voir tout de suite, je le mets comme ça. Oui, on va le mettre comme ça. Et ici, on va mettre celui-là, comme ça. Et voilà. C'est fait. Ici, on va mettre le même papier. Je vais pas couper encore, je coupe tout de suite pour mettre ici exactement le même. Je vais prendre les mesures que fait avec vous. Hop. Il est comme ça. Ici vide et ici comme une petite boîte. Maintenant, là, on va mettre de la dentelle. Je veux voir tout de suite si j'utilise cette dentelle ou sinon je prends une autre. Je ne sais pas encore sûr. On va voir tout de suite.
Il faut que je cherche encore. C'est bon, je me suis décidée. On va utiliser cette dentelle. Et on va faire comme ça avec l'album. Comme ça, je peux coller. Et je colle ici. Une morceau et l'autre sur l'autre côté. Je regarde bien c'est lequel devant et c'est lequel derrière. Ok, on va coller comme ça. Voilà, j'ai collé la dentelle de tous les deux côtés. Maintenant, ici, je veux utiliser des petites strass comme ça. Vous pouvez utiliser n'importe quelle strass vous voulez. Moi, je vais utiliser celui-là. On va voir si je mets celui-là. J'aime pas celui-là. On va voir. Hop. Non, j'aime pas, ça fait trop. Il est trop grand. On va voir. On va voir avec celui-là qui vient de chez Action. Ils sont beaucoup plus petites. Et je vais utiliser celui-là. Du coup, si vous achetez ça chez Action, vous les avez aussi. Et je vais mettre dans tous les petits coins. Et voilà les filles, on attend qu'il sèche et on a fini cette côté d'album. Il est comme ça. Moi j'aime beaucoup. Je laisse tout ça qu'il sèche bien, du coup je l'ouvre et je laisse comme ça ouvert, comme ça il sèche très bien la dentelle et tout. Et on se voit demain avec la prochaine côté de l'album où on va commencer à décorer tout ça. Je vais faire plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.